c'est important, mais comme dans toutes les manifs, plus on est nombreux, mieux c'est. Et puis voilà, puis là, c'est vrai que Marseille, il y avait un aspect côté symbolique de l'unité mise en avant. Là. Enfin, en tout cas, le besoin de l'unité du mouvement social, bon ben voilà, il faut qu'on le construise. Donc à Marseille comme ailleurs, c'est des choses qui se discutent, il faut qu'on y arrive. Et aujourd'hui, on est des milliers à répondre ici que dans l'unité, on peut faire reculer Macron. On est une force de proposition parce qu'on est capable de gouverner le pays. Et donc, nous n'avons pas cédé pendant la période où il semblait dominant. Et aujourd'hui, on voit que nous avons raison puisqu'il applique systématiquement son programme qui est directement dicté par la Commission européenne. Donc, il applique ce programme avec une violence inouïe. Et donc, dans ce cadre, nous, on est amenés à constituer, à rassembler les forces du peuple, à rassembler le peuple. En fait, on n'a jamais baissé les bras. Nous, ce qu'on veut, c'est une vraie révolution citoyenne. On en a assez qu'on nous détruise notre France et notre système français. On passe des lois avec des ordonnances, ça suffit. Notre programme est bâti sur le commun. On estime que les services publics, c'est du commun. On estime que les ressources, comme l'eau par exemple, c'est du commun. Donc ça, c'est nos combats et on les porte haut en couleur et fortement animés. Se mobilise contre ces réformes Macron. Macron est aujourd'hui en train de détruire l'éducation, les services publics. Là, je vois tout le monde qui court derrière moi. Il y a une immense mobilisation pour les jeunes. On est tous là aujourd'hui pour dire non à Macron et non à la sélection.